Genesis Office. Générique Office. Genesis Office. Générique Office. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'émission Genesis. Aujourd'hui, nous recevons Sœur Marie-Josée qui va nous parler de son maxi-single avec le titre Lamouka. Bonjour Sœur Marie-Josée. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission Genesis. Vous êtes la star de la musique chrétienne ici à Paris. Comment allez-vous ? Je vais très bien par la grâce de Dieu, merci. On se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale. J'ai suivi vos clips sur YouTube, Lamouka, Litea, Maman. J'ai déjà été attirée par le clip Lamouka. C'est un message fort que vous envoyez. Parlez-nous un peu de cette inspiration qui vous est arrivée. Bon, merci beaucoup. C'est toujours par la grâce de Dieu que je fais les choses. Moi, je travaille avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit me dirige chaque fois qu'il y a un événement. Donc, j'ai commencé à suivre déjà le passage des migrants sur la Méditerranée. Et à partir de ces passages-là, j'ai commencé à être mal à l'aise. Et tout ça, ça me frustrait le cœur. Je me disais, comment les choses peuvent être comme ça? Et du coup, le Seigneur a commencé à m'inspirer, à me dire d'écrire. Donc, j'ai commencé à écrire des paroles en fonction de tout ce qui se passait à l'actualité. C'est l'actualité de ce moment. Et ça n'arrête pas aussi. Donc, tout est parti de là, de l'actualité. Et c'est vrai, vous avez souligné les problèmes du pétrole, de la richesse de l'Afrique. Mais l'Afrique est toujours dans la souffrance. Quelles sont les pistes de solutions? Mais apparemment, Dieu qui vous a dit d'écrire, Dieu ne nous donne pas des solutions. Comment faire pour sortir de là? Vous savez, ma très chère, dans ce monde, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, s'il demande d'écrire quelque chose, ça veut dire que la solution, elle va arriver. Moi, j'y crois en ce Dieu-là et je sais qu'il y aura une solution pour l'Afrique. D'accord, il y aura une solution pour l'Afrique. Tous on ose croire que finalement, ce continent tant oublié par Dieu va peut-être finalement rayonner. Je voudrais revenir un peu sur votre carrière, Sœur Marie-Josée. Qu'est-ce qui a commencé? Vous avez reçu l'appel de Dieu pour commencer à chanter. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous mettiez au chant, que vous écriviez et finalement que vous passiez au studio pour commencer à mettre? Merci beaucoup. On dit toujours souvent dans la vie que tout est grâce. Et tout est grâce du fait que j'ai commencé à chanter. Cela n'a pas commencé... ça ne vient pas du hasard, en fait, ce que je voulais dire. Ça ne vient pas du hasard. Moi, depuis le Congo, j'ai toujours été choriste. Choriste à l'église catholique, choriste avec l'abbé Wamba à l'aumônerie universitaire. J'ai chanté avec plusieurs personnes. Donc, j'ai toujours aimé le chant. Et j'ai toujours été entraînée dans la louange. Donc la louange fait partie de moi en fait. Dieu m'a toujours inspiré des louanges. Je préfère louer Dieu, chanter, que plutôt de prier. J'aime beaucoup la louange moi. Et c'est parti de là. C'est parti de la louange, l'envie de célébrer Dieu, de prier Dieu. Vous avez préféré Dieu à un autre univers? Parce qu'aujourd'hui on dit il y a les musiques des dieux et il y a les musiques du monde. Moi, les gens, quand ils me posent la question, je dis toujours que je suis chantre, mais je ne suis pas chantre comme les autres. Parce que moi, mes thèmes, comme vous voyez bien mes thèmes, vous voyez Afrique à Lamouka, vous voyez Maman, vous voyez l'ITEA, c'est pratiquement trois thèmes différents. Mais c'est mon univers, c'est comme ça que Dieu me donne les choses. Donc je ne fais pas comme les autres peut-être, mais c'est quelque chose de très fort pour moi. Et c'est quelque chose... Aujourd'hui, les gens ils voient pas trop le sens de ce que je fais. Mais demain, il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui m'appellent, il y a des gens qui m'envoient des messages. En tout cas, Sœur Marie-Josée, nous sommes très contentes de ce que vous faites. Nous sommes très contentes. On se sent dans la chanson, mais on se sent aussi dans la réalité. Je ne peux pas chanter en ignorant la réalité de nos souffrances en Afrique. Donc je chante en portant sur mon dos cette réalité-là. Je suis comme une porteuse de messages, en fait. Pour la part de Dieu, pour la part des hommes. Parce qu'une fois que nous sommes dans la foi, la personne qui a la foi peut déplacer les montagnes. Donc avec ma foi, en chantant, je sais que les choses vont changer en Afrique. Aujourd'hui, parler de Dieu, dans l'univers de Dieu, il y a aussi beaucoup de dérives.
hein, dans ce même univers de Dieu, ces mêmes chanteurs, chanteuses, choristes de Dieu, aujourd'hui se retrouvent au cœur de plusieurs scandales. Sœur Marie-Josée, il y a beaucoup de dérives justement. Vous, en tant que servante de Dieu, quel est votre conseil, quelle est votre vision par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans les églises? Dieu, il dit dans la Bible, hein, ne jugez point. Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Moi, je ne fais que mon travail. Je fais le travail de Dieu. On n'est pas là pour juger les êtres humains, mais on est là pour accomplir nos missions. Et on peut faillir à notre mission parce qu'on est des êtres humains. La chair, elle est faible. Oui, mais ma sœur, on est quand même censé être aussi l'exemple. Hein? Les enfants de Dieu sont quand même l'exemple parce que la Bible donne une marche à suivre et tout ça. Bien sûr, bien sûr. Nous, les enfants de Dieu, nous devons donner l'exemple. C'est pour ça, moi, je ne me cache pas de ce que je suis. Je me présente telle que je suis pour ne pas que demain, on me dise que non, sœur Josée, aujourd'hui, elle est comme ça, demain, elle est comme ça. Donc, du coup, je me présente avec mes défauts, avec mes qualités. Revenons un peu à votre actualité musicale, sœur Marie-Josée. Est-ce que vous avez un album en préparation? Oui, oui, normalement, nous avons notre album en préparation. Et ce que nous avons mis sur le marché, c'est, je peux appeler ça comme un maxi single. C'est un maxi single. C'est toujours dans l'ordre, même ordre d'idée. C'est le même album, mais comme l'album n'est pas encore terminé, du coup, nous avions préféré montrer déjà ce que nous savions faire, essayer de nous faire découvrir par ce maxi single. Les gens, ils auront déjà l'idée. Mais notre album, elle est en pleine préparation d'ici là. Ok, d'ici là, comme l'a dit sœur Marie-Josée, mais en attendant, suivons un extrait de son clip La Mouka. Je vous dis, je pense que vous allez... Africa, réveille-toi, la cloche a sonné. Gaïa, Willy et Toka, Yige Golondele, Rémi Ayayos, Alain Mabankou, Inès Defer Ngani. Sœur Marie-Josée, j'ai assisté à plusieurs concerts, c'est-à-dire à plusieurs manifestations ici sur la place de Paris où vous vous produisez. Ça arrive comme ça qu'on vous appelle de temps en temps? Oui, 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 ça arrive très souvent. La dernière fois j'ai produit, c'était à Noisy-le-Sec. C'était une association Les Blouses Blanches. C'était pour une bonne cause, pour les vaccinations des enfants sur la maladie de la méningite. Donc du coup, je me suis présentée comme la marraine de cette association. Du coup, j'ai chanté pour faire découvrir aussi ma musique, Africa La Mouka, comme on parlait des vaccins qui vont être faits en Afrique. Donc du coup, c'était aussi l'occasion pour chanter Africa La Mouka et pour faire découvrir à ce public-là la chanson d'Africa La Mouka. Vous avez fait des clips, vos clips hein, ont été tournés en Afrique, principalement au Congo. Vous vivez en France, pourquoi vous avez fait ce choix? Le choix du Congo, le Congo c'est d'abord ma patrie. Je suis congolaise d'origine, même si je vis en France. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc pour moi, c'était d'abord aller au Congo, faire découvrir mes clips au Congo, faire découvrir ma musique à la population congolaise. Parce que mes premières fans, ça va être le Congo. Hein. C'est eux qui vont me soutenir dans tout ce que je veux faire. Et après, les autres, ça va suivre. Mais le Congo, c'est chez moi. Je me sentais chez moi. Et
j'allais bien commencer par là. C'était une évidence de commencer par le Congo. Commencer par le Congo qui nous est cher. Est-ce qu'aujourd'hui ça vous dit, c'est dans vos projets d'aller vous produire au Congo, d'organiser peut-être des concerts comme ça ou de faire des featuring avec d'autres chanteuses congolaises, d'autres sœurs? Bien sûr, c'est toujours dans le cadre des idées. Hein. Une fois que l'album sera prêt, je crois que la première chose à faire, ça sera de repartir au Congo et de commencer à organiser des concerts. Je suis à la recherche des partenaires pour travailler avec eux. Hein. Ce n'est pas une mission facile. Il faut déjà trouver des gens qui seront disponibles pour vous pour faire ce travail-là. Sinon, dans mes projets, oui, le Congo, c'est la priorité pour un concert. Sœur Marie-Josée, revenons dans le monde de la musique. Nous savons qu'il est difficile de trouver un producteur, celui qui nous aide à pouvoir tourner, nous accompagner financièrement. Comment ça se passe chez vous? Avez-vous un producteur? Non, pour le moment, j'ai pas de producteur. Mon seul producteur, c'est Dieu. Dieu arrive à vous donner les finances. Voilà. Mais finalement, il faut dire à Dieu d'envoyer un producteur. Ah ben oui, Dieu, il le fera à son temps, hein. Selon sa volonté. Les choses se font au temps de Dieu et selon la volonté de Dieu. Et je sais que je trouverai un producteur. Je finirai par le trouver. On dit amen, comme amen. Disent les musiciens, les chrétiens. On parle chant, mais je voudrais parler de vous en tant que femme qui fait un travail d'homme. Je vous ai vu
lors d'une photo en train de faire de la peinture et tout ça. C'est votre métier ? Non, c'est pas mon métier. J'ai appris à faire la peinture. Et moi, c'était l'occasion aussi de montrer aux femmes qu'aujourd'hui, on peut tout faire. C'était quand même l'événement, la fête de la femme, l'émancipation de la femme, parler de tout ça. Moi, j'ai appris à faire la peinture dans le tas. Et je voulais montrer aux femmes du monde entier que nous, les femmes aussi, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Du coup, moi, je faisais la peinture chez moi. Et cette photo-là, j'ai voulu la représenter pour justement l'occasion du 8 mars. Pour donner un message aux femmes. Vous êtes sûre que cette peinture est bien faite si on va vérifier ? Bien sûr, venez vérifier chez moi. Je l'ai fait chez moi et je le fais tout le temps. Merci beaucoup, Sœur Marie-Joseph. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message à passer, que ce soit à vos frères, sœurs congolais, ici vivant la diaspora, et ceux qui sont au Congo ? Ben, le seul message que j'ai à passer, c'est... Merci beaucoup pour cette émission. Merci à vous aussi, merci à la population congolaise, merci à la diaspora, merci à toutes les personnes qui me soutiennent de loin ou de près pour cette mission. Je remercie aussi ma famille, je remercie plus particulièrement ma petite chérie naturelle au Congo, elle qui est parmi les danseuses dans le chant Litea. D'accord. Il y a d'autres personnes à Brazza à qui vous voulez faire un coucou ou... Bien sûr, je vais faire un coucou, pas spécialement à Brazza, mais ici à Paris. Je vais faire un coucou à les Femmes Unies de Paris. Je vais faire un coucou à Luamé Luzolo et son mari, Papa Dida, le futur producteur peut-être. Et je fais un coucou à Tessia Nbanzulu. Je fais un coucou à Doa Congo. Je fais un coucou à Darius Ngimbi. Je fais un coucou à toute ma famille, mes enfants, à Ro Kitadi, à Didi Kitadi, le caméraman qui a réalisé Africa Lamouka et son équipe. Et je fais un coucou à toute la famille Mafuta. Je fais un coucou à ma belle-sœur Karina Pendi, à ma belle-sœur Fatou Mafuta. Merci beaucoup. Merci, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir suivi l'émission Genesis. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur l'émission Genesis. Je reçois tous vos messages. Reçois vos messages sur YouTube, sur Facebook, par mail. Merci beaucoup. Continuez à être scotché comme ça, à créer des communautés de fans autour de l'émission Genesis. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. Ciao. Bye bye. Il va falloir se quitter. L'amour est un jeu, tout peut encore se jouer. Change de coéquipier et continue à jouer. Continue à jouer. Il va falloir se quitter. Si l'amour est un jeu qui ne se joue qu'à deux, change de coéquipier et continue à jouer. Continue à jouer. Moi, je ne peux plus jouer, c'est bien plus fort que moi. Plus la peine de tricher, ça me gêne et me fait mal. Boy, j'espère que tu me comprends.